Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui est un grand jour où on avance un peu sur le mariage. Aujourd'hui est le jour où il y a des travaux et où c'est chiant. Aujourd'hui est le jour où on va chercher le costume du doudi. Il saute de joie. Voilà. Et de nouveau, c'est l'homme qu'on attend. Hein? Regardez un peu ce que ça fait. En fait, t'as dit bonjour. Au revoir. La classe, on est à la gare. Avec ta barbe, on attend le train. SNCB, toujours en retard, toujours en grève. On est sur le chemin du retour. C'est nul le shopping. Putain, mon mascara! T'es pas mal dire, toi? Voilà donc, mon mascara, c'est une catastrophe aujourd'hui. Merci le temps humide, merci le masque. On revient de Liège pour aller chercher le costume de monsieur. Et on est très content. T'es content, Doudi? Ouais. Tu penses pas à ton costume? Ouais, voilà. Bon, j'ai pu voir le costume parce que c'est un peu moi qui ai, entre guillemets, choisi le modèle. Enfin, c'est moi qui ai choisi le modèle. J'ai proposé plusieurs modèles et j'ai montré discrètement au vendeur ma robe. Et il va voir pour collaborer avec la boutique où j'achète ma robe. Et il se trouve que j'ai l'œil, les amis. J'ai vu juste par rapport à ma robe. Et il est vraiment cool en tout cas. D'ailleurs, pour les mecs qui sont invités à notre mariage, ils pourront aller dans cette boutique et avoir une réduction. Donc, ils vont choisir un costume et ils le payeront 100 €. Et ça peut être comme ça pour des costumes qui coûtent de base 350. Donc, c'est vraiment super cool. C'est la maison française, il me semble. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Pour ceux qui voudraient se marier ou qui ont besoin d'un costume ou quoi, en tout cas le vendeur il est fort, c'est une ambiance assez familiale, il est vraiment sympa et à l'écoute et professionnel et ça fait super plaisir et vu la crise c'est bien de donner de la force à ces gens-là qui en pâtissent comme pas permis. Donc voilà, j'en profite un peu pour faire la pub de ça parce que c'est assez important, surtout en ce moment. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent se marier. Il y a beaucoup de personnes qui prévoient de se marier cette année. C'est un truc de malade. Donc je vous recommande vraiment cette boutique. C'est une boutique qui est là depuis des années. Je crois qu'il a dit 80 ans, c'est ça mon cœur? 81. 81? Depuis 81, depuis l'année 81 ou depuis 80 ans? 81 ans que ça existe. 81 ans que ça existe. D'ailleurs, c'est une boutique, bah, je passais toujours devant depuis toute petite. Je connais cette boutique depuis toute petite, en fait. Et pour moi, c'était obvious d'aller voir là en premier. Et franchement, on n'est pas déçus. Je sais que mon homme sera entre de bonnes mains parce qu'évidemment, je ne pourrai pas aller par la suite parce que j'en ai déjà vu trop. Mais c'était essentiel pour que il puisse matcher le truc. Donc, voilà. En tout cas, elle sera magnifique. Oh, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Donc voilà. On en a profité pour essayer de faire un petit tour en ville, mais pas terrible, hein, parce que vu les restrictions, on a dû aller chacun de notre côté parce qu'on ne peut plus aller à deux pour faire les courses dans le non-essentiel. Il faut qu'on en parle, quoi. Hein. Bon, enfin, c'est pas une ambiance terrible. Franchement, je me suis plus sentie dans une ambiance de guerre. Moi qui suis très anxieuse, hein, je me sentais pas sereine, quoi. C'est pas agréable. J'en ai profité pour aller sentir le parfum Valentino. Il y a Gaga dans la pub. Il sent bon sa mère. Oh, purée. J'ai voulu l'acheter, mais vu mes soucis, j'étais censée toucher, mais je n'ai pas touché encore mon mois d'octobre ni mon mois de novembre. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est que dans l'enseignement, ça traîne et c'est compliqué, surtout quand on débute. Mais du coup, j'ai eu une petite avance, mais pas énorme. Donc si je me prenais le parfum, littéralement, j'avais plus rien. Déjà là, j'ai pas beaucoup sur mon compte. Enfin, c'est plus que ce que j'avais avant. Hein. Mais voilà, mais il sort bon. Oh mon Dieu, il sort bon. Wishlist de Noël ici.
Voilà, donc là je vais mettre à jour mon blog parce que j'ai un blog pour la famille, les invités, tout ça. Donc voilà. Voilà, donc ici je viens de remettre à jour notre petit blog pour les proches. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble vite fait. On a fait des trucs sur notre histoire et voilà, un peu l'avancée des choses, l'organisation. Voilà, je ne vous mettrai pas le lien pour ça parce que du coup je privilégie vraiment ça pour les proches et les invités, sachant qu'on ne pourra pas inviter beaucoup de gens vu les conditions, faut pas rêver. D'ailleurs, si j'arrive à inviter ceux que j'ai envie d'inviter, c'est déjà bien. Et aussi parce que j'ai décidé de garder une part privée. Voilà, il faut savoir que ce matin j'ai eu droit à mon hater de l'année, parce que j'ai pas beaucoup de haters, sur ma vidéo concernant l'arrêt de la pilule. Enfin, c'est pas un commentaire super haineux quoi, mais qui disait 11 minutes 48 pour dire qu'elle n'est pas enceinte. J'ai quand même répondu à ce commentaire, moi j'aime bien répondre. Je suis fragile psychologiquement, mais j'adore répondre à ce genre de commentaire, ça ne me fait rien du tout. Et j'aime bien remettre un peu les gens en place, parce que c'est quoi ce voyeurisme en fait autour de la femme enceinte. Je dis pas que je ferai jamais de vidéo sur ma grossesse, la maternité et tout ça, mais il y a tellement de contenu où des grossesses sont sponsorisées, enfin, on en parle assez, on s'est assez révolté là-dessus, où les grossesses sont surexposées, et c'est vraiment du voyeurisme en fait, et ça prouve un peu le voyeurisme des gens. Et avec cette vidéo, je voulais justement prouver ça finalement. J'ai une communauté très minime, parce qu'on est que 95, hein, on va se calmer, 95. J'ai une communauté très minime, mais très intelligente, qui n'est pas tombée dans le panneau. Bon, il y en a qui ont peut-être cru, mais qui se sont attardés sur le fond et la forme en dehors d'une miniature. C'était d'ailleurs, j'en suis très contente, hein, globalement, les gens ne sont pas si cons. Et voilà, ça m'a un peu... Ça m'a confirmé un peu ce que je pensais. Faut arrêter un peu de faire sa haine comme ça, parce qu'au final, cette personne-là s'est attardée. Elle a perdu peut-être 11 minutes 48 de sa vie pour savoir que je n'étais pas enceinte, mais cette personne a quand même pris du temps pour venir mettre des dislikes sur toutes mes dernières vidéos, quoi. Donc finalement, tu aimes perdre ton temps, en fait. Ça se passe comment? Tu ne verras peut-être pas cette vidéo-ci, parce que tu as autre chose à foutre. Enfin, j'espère que tu es assez intelligent. À un moment donné, il faut arrêter. Mais et quoi, si j'avais été enceinte, j'aurais eu droit à un like ou même pas, parce que en fait cette personne-là n'aurait même pas pris la peine de mettre un like déjà. Mais si j'avais été enceinte, ça aurait changé quoi en fait à la vidéo? Ça aurait changé quoi à ta vie? Voilà, enfin, en quoi ça regarde les gens finalement, mon utérus? Mon utérus est vide, donc ma vidéo n'a pas de valeur, ma vidéo n'apporte rien. Je suis là pour apporter du divertissement, je suis même pas là financièrement ou quoi, c'est pas mon travail malheureusement. Parce que je ne perce pas, d'un côté je m'en porte pas plus mal. Je suis là pour le fun et voilà, donc t'es pas content, t'aimes pas, tu passes. C'est comme ça quoi. Bon, je suis même pas énervée parce qu'en soi je suis trop de bonne humeur aujourd'hui pour être énervée. Et franchement, ce genre de personne, je savais à quoi m'attendre en ouvrant ma chaîne YouTube, hein. Moi j'ai ça une fois de temps en temps, il y en a qui se tapent ça tous les jours, toutes les secondes. Donc voilà, mais je voulais un peu remettre l'église au milieu du village. On n'a pas une obligation de tout vous dire, on n'a pas l'obligation de tout exposer de notre vie privée. Et comme je l'avais dit dans ma vidéo sur la pression sociale, mon utérus me regarde. Je vous partage éventuellement mes problèmes parce que ça a aidé des gens, réellement. Mais si je n'ai pas envie de partager certaines choses, ou si j'ai envie de les amener d'une manière et pas d'une autre, c'est moi que ça regarde en fait, c'est pas les autres, voilà. C'était la petite parenthèse, voilà, la petite parenthèse du moment, tout ça pour dire que bah, celui qui n'aime pas, il n'aime pas, mais pourquoi perdre ta vie ici en fait? Voilà, perdre sa vie et passer son temps à mettre des dislikes, ça je vous comprends pas les gens, vous êtes fatigants. Vous vous contentez même pas de vous dire j'aime pas cette vidéo, je la dislike. Non, non, faut que j'aille sur toutes les autres vidéos, cliquer pour mettre mon dislike. Vous avez rien d'autre à foutre, franchement.
Moi, je comprends pas la perte de temps de certains. Vous n'avez pas une vie. Moi, j'ai pas ce temps-là. Franchement, j'ai pas ce temps-là. Je prends la peine de répondre avec beaucoup de courtoisie parce que je ne rentre pas dans le jeu de la grossièreté. Parce que ça me fait rire, en fait. Ça me fait rire et voilà. Mais franchement, j'ai pas votre temps. Arrêtez de faire ça, en fait. Passez votre chemin. Allez consacrer votre temps à des choses beaucoup plus palpitantes pour vous. Et voilà. C'est comme ça. Bref, je termine avec ça. Parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais je voulais quand même toucher un petit mot. Et voilà. Voilà, donc on part sur une fondue avec un champagne. Et le plus beau. Le plus beau. Squishy, le plus beau. Mais je parlais de toi, mon amour. C'est qui le plus beau? Squishy. Non, c'est Doudy. Squishy, c'est le plus mignon. Toi, t'es le plus beau. Voilà, alors ici, je suis dans mon bureau, ou mon studio, pour remettre à jour mon bullet journal. J'ai fait une catégorie mariage, en fait. Et voilà, enfin, je vais peut-être vous montrer deux, trois petites choses, si je peux, on verra. Voilà, donc ici, c'était les trucs du mois de novembre. Donc, ça, c'était les colis qu'on devait recevoir, parce qu'on a commandé pas mal de choses, et puis j'ai mis là aussi... voilà bon, la liste de shopping et à quelques détails près, oui, parce que j'ai pu payer ma robe, j'ai miraculeusement touché aujourd'hui, donc je suis super contente. Donc là, je suis contente aussi de voir que on a pu remplir tous les objectifs du mois de novembre. Voilà, alors ensuite nous avons le mois de décembre. Donc ici, j'ai un petit merde. Faudrait que je coupe. Donc d'ici, j'ai un petit mood tracker et une liste des cadeaux potentiels. La liste de ce que je reçois sur mon calendrier de l'Avent. Donc voilà, mon humeur d'aujourd'hui était plutôt joyeuse. Hein, on va dire ce qui est. Donc ici, j'ai pas fait grand chose de rempli pour cette semaine. Il faudrait que je pense un peu à mon self-care, blague à part, parce que ma peau est catastrophique. Et voilà, donc il me reste à décorer pour Noël. Je ferai ça ce week-end. Il y aura probablement un vlog. Voilà, donc ici c'était mon jour de congé. Donc j'en ai profité pour le costume de Doudy. Et du coup, ma robe a été payée ce même jour. C'est un truc de fou. Remarquez, comme j'ai bien fait, je suis fière de mon mois de décembre, en fait. Hein. J'ai trouvé le modèle sur internet, mais je trouve ça... j'adore. J'adore. Donc, il me reste encore 2 semaines de boulot avant les vacances de Noël. Donc, ça, c'est ce qui est carnet d'adresse. Ici, nous avons la partie pour le mariage. Donc voilà, ici, j'avais fait des petites choses comme ça. Maintenant, il n'y a rien de très très indicatif. Donc voilà, j'avais fait un truc comme ça qui n'a rien à voir, finalement, avec mon truc. Et pareil pour Doudy, en fait, hein, à quelques détails près. Ici, c'est toute la partie... date à retenir, machin. Je trouvais ça sympa. Ici, c'était là où je réglais pour ma robe et toutes les réceptions et tout ça. Et j'ai fait une partie pour mon Doudy. Ici, vous avez la boutique en question qui est à Liège. Voilà, voilà. C'est à peu près tout pour mon bullet. Voilà, donc je suis assez contente de cette journée. Hein. Vous pensez bien que vu le stress que j'ai eu avec ma paye, je suis plutôt satisfaite. Et du coup, bah voilà, j'ai un peu mis tout ça à jour. J'en ai profité pour remettre mon blog privé à jour aussi. Et voilà, voilà. Je pense que pour le vlog d'aujourd'hui, je vais m'arrêter là parce que j'aurai plus grand chose à vous raconter. Il est déjà 19h47 et moi je me couche tôt pour le boulot. Parce que je suis facilement crevée. Et voilà, c'est tout pour le moment. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si elle est un peu désordonnée.
Mais ça fait toujours plaisir. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Il y aura peut-être un vlog qui va sortir dans pas longtemps vu que je dois décorer. Et j'aimerais aussi faire des vidéos où je reviens un peu sur mes anciennes vidéos, enfin mes anciennes, celles que j'ai faites du moins cette année. Et voilà, je verrai un peu comment ça va s'agencer, mais en tout cas, j'aimerais qu'on ait du contenu pour ce mois de décembre et clôturer cette année qui était plus que catastrophique, disons-le. Voilà, voilà. Donc je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.